Économique plan, Harris Kamala ainsi que Donald Trump, c'est un sujet qui a intéressé un peu de monde, qui fait un peu de débat. D'ailleurs, tout sondage a montré que l'on parle d'économie, c'est une préoccupation pour plus de monde qui vit ici. Et il y a une tendance qui t'a fait croire que, on dit, c'est une tendance que les républicains toujours sont bons pour l'économie. Nous disons une tendance, okay? Parce que soit fait de manière objective. On va aller dans l'histoire, on va aller aux indicateurs, en emploi, mais au stock market, on n'est pas capable de faire considération qui s'allie. Maintenant, et nous allons voir ensemble avec vous différence entre les candidats auxquels gagnent sur plusieurs aspects en ce qui a trait avec plan économique. Et nous apprenons ça longtemps. Finalement, Donald Trump parlait de un plan économique. Il y a quelques éléments. Puisque Donald Trump, le plus souvent, on parle de plan économique, lui, learning do the best economy ever will be good. Monsieur Touba, une idée générale. Vous comprenez? Nous pour le faire entrer, vous comprenez? Pile qu'on pour l'entrer. Mais ça n'est pas spécifique dans sa lab. OK? Mais il y a quelques points de spécifiques et nous allons voir ensemble. Nous allons essayer. D'abord, on nous parler de ça, nous, les corporate. Ça l'avait dit. Rappelez que l'État, qui vient de fonctionner, parce que dans tout pays, c'est des prélèvements que le fait sous mon cap vendre des entrepreneurs et comme ça, on l'utilise pour lui construire route, mettre l'école publique, nous faire des projets de développement. Et il y a toujours une grosse différence entre républicains et démocrates, c'est poser taxer mon cap fait comme. Si ça fait grand bon, mon cap fait comme, il n'y a pas dans démocrate. Parce que juger que les démocrates apprennent trop comme sur. Qui ça dit? Ça nous a les corporate tax, guys. Et c'est un bagaille qui était justement dans 40, combien pour cent? Donald Trump est arrivé descendu à 21%. 21% corporate tax. Non, on a parlé avec là, il a appliqué. Donald Trump descendu à 21%. Et différence qui vient là, c'est que Harris Kamala, et lui-même lui dit que corporate tax à trop petit, l'a retourné lui, pas gentil, mais à 28%. Donc, on 7% d'augmentation par rapport à gens que lié la corporate tax pour yo taxé. Et lui bien dit oui, long terme capital gain, gros compagnie. C'est ça le parler. Il parlait de 28%. Alors que Donald Trump lui-même, lui dit, lui pral de préférence, continue à réduire taxes. C'est réduit déjà. C'est là qu'il fait un gros projet. Nous sommes ça, c'est Donald Trump lui dit, il va réduire taxes en premier lieu. L'idée, c'est quoi? Compagnie, il va gagner plus de cob, il t'a supposé nous-mêmes, t'as travaillé, paye nous plus. Si nous avons touché 15 dollars, il paye nous 7 dollars, mais en plus, nous ne pouvons pas dire comme ça. Donc ça, d'abord, il faut une clé sur ça. L'idée que les gens retirent les taxes aux compagnies, nous-mêmes capteurs avec eux, nous allons joindre, c'est archi faux. Distribution, on va le faire par eux-mêmes, non? Parce que le fait déjà, ils ont réduit taxe à pour eux, au contraire, c'est plus que vous avez. Au contraire, ils ont même volé pour réduire, ça n'a pas fait. Et donc, Donald Trump parlait lui-même de une corporate taxe de 15%. Et il dit que 15%, ça, il va le faire surtout pour compagnie qui a produit à l'intérieur des États-Unis avec des intrants. Ce n'est pas monde qui a utilisé des produits soit personnels ou bien des matières premières de l'extérieur, mais c'est des compagnies aux États-Unis simplement qu'il va parler de 15%. Donc, bien qu'il n'ait pas précisé, est-ce que ça t'a dit l'autre compagnie, combien il parlait, est-ce qu'il a toujours quitté le 21% et pour l'autre compagnie, il va parler de ça. Donald Trump parlait tout de ça, on a comment c'est fait, c'est ça, les tarifs. Et tarifs, nous savons qu'il commence à faire ça en pile avec la Chine, tout produit qui sort de la Chine. Mettez les taxes, augmentez, il dit qu'il va continuer à augmenter les taxes. Nous ne pouvons pas remplir le monde dans le business, il y a un problème, puisque la vérité, ça vous comprend, nous avons toujours dit. Parce que l'idée de Donald Trump, l'a découragé, ça a l'importation, produit l'extérieur, certes. Mais la vérité, les États-Unis ou dans le pays, on peut remarquer tout ce qu'on a acheté, tout ce qu'on a la Chine. Pas toujours fait. Mais au final, ça quoi le passé, les compagnies ont toujours besoin, malheureusement, ou bien heureusement, j'en considère, ils ont toujours besoin de la Chine. Pour indépendance,
par part de la Chine. Et là, vous prenez le coup, là, vous prenez le pichet pour vous. Nous-mêmes, consommateurs, nous prenons le pichet. C'est ça qui parle et réalité. Donc, monsieur parlait de tarifs que le pral continue à augmenter et sous notamment la Chine et d'autres pays. Comment la Harris pensait avec business surtout, non, je parle là. Mais elle parlait de small business qui pour booster l'économie. Pas nécessairement gros corporate. Vous parlez de 20%, c'est pour corporate tax. Et qui ça le pensait pour small business yo, ou ensemble classe moyenne qui gagne small business? Mais ça le dit. Il annonce qu'il a besoin de 50 000 $ déduction pour ce travail. Bon, bah, mais on ne parle pas de son small business et tout. Chargé, vous comprenez? Ou même qui compte taxi driver, ou considéré comme un small business tout. Harris Kamala a parlé de 50 000 $ tax deduction pour small business. On compte ça par les deux, ou même l'a fait taxe ou même qui n'a business. Et une augmentation tax break. Tax break, il a besoin de 5% pour start-up. Moun kap fait démarrer. Il y a un tax break de 5 000 $. Li parle de 25 millions. Attendez bien, li gen un objectif Kamala, c'est 25 millions de business application pour premier terme. C'est-à-dire 25 millions nouveaux business applications. Et donc, n'a pas rappelé, ça a été parlé déjà, causé pour s'endarrer les constructions CAI, housing, et 25 000 $ down payment pour moun qui assistance, y a bay pour moun qui va l'acheter CAI pour première fois, home buyer, 25 000 $. Et donc, n'a pas le corporate, là, nous t'explique déjà de 21% à 28%. Et il t'a avlé tout de manière permanente et expand child tax credit là pour faire venir 6 000 $. 6 000 $. Bah, vous avez bien nommé, non? Child tax credit. Et lui pensait que, et pour moi, ce qu'il fait, lui pas augmenter taxes. Pour monde qui fait moins que 400 000 $ par année. OK? Tout le monde qui fait moins que 400 000 $ par année, taxe ou pas l'augmenter. Et donc là, c'est justement des points particuliers du plan économique et Kamala Harris. Je ne sais pas que y a un facteur dans ce livre économique, tout, causé immigrants, puisque Donald Trump a intention, c'est ça le dit, déporter autant d'immigrants possible. Ça oublie les parties des plans économiques, puisque ça, c'est main-d'œuvre qui a diminué drastiquement. Et c'est ça qui est la réalité. Il y a 16 lauréats, Nobel lauréats économistes, mais ça a dit, et pas moins. Il a dit que le plan économique, ton plan, a augmenté l'inflation. Et c'est ça, Mondi, qui est une institution très respectée, déclare. Max Zandi, qui est chef économiste Mondi, lui dit qu'il pensait que la politique Donald Trump menait à sa relève une économie réduite, ok, et la diminuer l'économie hein, et la ralentir sous accroissement. Et ça, il dit. Et si ou son monde qui se high income, il cobra ou sol, vous comprenez, qui gampil cobio, certainement, ou s'entoure mieux avec Donald Trump. Mais sous nan middle income américain, ou bien low income américain, wap mieux avec président Kamala Harris. Donc, c'est ça la réalité. Donc, son raison pour dire que, ou pas ka fin compte, moun ki gan pil kob yo kap de yo même, c'est d'être en fait. Lem di ou pas ka fin compte, dans le sens que, yo wè poche yo, simplement, ça va le dépendre. C'est m'kone un entrepreneur qui, haïtien, c'est très connu, dernièrement, monsieur Dou, li change position, c'est vrai que, il gan pil kob, et il va être bon pour lui, mais il pense avec communauté ça. S'il fait partie de la communauté haïtienne, c'est qu'il a capable d'acheter produits, il y a plusieurs produits un peu partout. Mais si on comprend la logique, il y a. Il dit que c'est monde ça, parce qu'il faut qu'il existe. C'est qu'il pour acheter produits là. OK? Donc c'est ça. Et donc, définitivement, il a opté pour Kamala. Ce n'est pas le fait que. Mais s'il t'a pensé avec poche simplement, il dit que normalement, il a supposé. Opter pour Donald Trump. La vérité, ça fait, il économiste paye. Il n'a que les politiques. Donald Trump, qui est un pile économiste. Gen la Perez, c'est ça, les masses déportations que Donald Trump promet de millions
moun ki ka ben, ki pa gen papye. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'on retire des centaines de milliers de moun, non, workplace là, il s'en a mis à l'air. Donc, l'on égocentrique, hein? L'on besoin des produits, chien, ça va le passer là, il va l'augmenter. Hmm? Même j'ai un tout prix pour hôtel, ça va l'augmenter. Prix restaurant, manger au restaurant, tout bagay. Et même prix home construction. Donc, c'est ça qui c'est un véritable problème. Donc, il est clair que les statistiques, il y a un ensemble de monde qui pensait que les républicains, c'est la meilleure réponse pour l'économie. Okay? Mais la vérité dans les faits, les nalpres en chiffre, ce n'est pas nécessairement vrai. Et en plus, l'expert mettait d'accord que et le plan de Kamala Harris bail de meilleurs résultats et pour l'économie. Hein.